Alors, leçon sur le destin. Le destin, soit tu le prends en main, soit tu le prends pas en main. Mais quand tu le prends pas en main, c'est à l'état que tu le regardes, le monde comme il va mal. Est-ce que tu trouves qu'on a des raisons de satisfaction, des motifs de satisfaction vraiment? On est conditionné à penser que ça va mal, mais que ça va aller mieux. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Hein? Et la vérité, c'est que ça va de plus en plus mal et de moins en moins mieux. Et ça, on s'en rend compte. Ça, c'est la vérité. Donc, soit, option numéro 1, tu te fais enculer, tu serres les dents, tu dis amen, tu fais silence. Tu votes comme un con. Tu votes pas, en fait. Mais bon, l'idée, elle est là. Et t'as jamais rien eu, t'auras jamais rien, même pas le souvenir d'un souvenir. T'auras juste un moment présent, confus, bloqué. Tu vois. Et de la drogue. Ça, elle la distille de différentes façons. Soit tu te dis merde, là j'ai une raison de me battre. Il y a du danger. Je pense que je suis le plus fort. Là je suis généreux, je sais que je suis le plus fort. Eh oui, je suis français. Tu sais que le français, là il est au point mort, le français. Le français, là il est au point mort. Et malgré ça, il avance. Tu vois là, la puissance. Le mec, il y en a qui le savent, t'inquiète pas. Ah, si tu non, il doit le savoir. Chaman, il doit le savoir. Là, t'as déjà du lourd. Le reste, ça suit. Bon. Et on sait qu'on a du potentiel. C'est sorti de la merde plusieurs fois. Bref. Soit tu te dis, là, je prends mon destin en main, je prétends pas le connaître. Je prétends pas le maîtriser. Je prétends le goûter. Le sentir. Je me dis l'apprivoiser. Ça me donne des forces, ça me donne du courage au cul. Là, je bande dur, je bande droit, j'ai le gland qui lui, qui brille. Tu vois, et j'y vais. Il y aura du dégât. Il y aura du dégât, il y en a qui vont me payer d'une manière ou d'une autre. Il y aura du dégât. Mais il y a du dégât, on se voit la face, on se met des œillères. Hein. On est drogué et on est sous chloroforme, on est. Il y a un endolori là, t'as compris, je cherche le mot. On est. Quand le dentiste met la seringue dans la gencive pour t'endormir, tu sais. Endormisé, alors, ça va me revenir plus tard. Bref. Donc, soit on se dit merde, tu vois, il y a des raisons, il y a des motifs. Il y a des motifs de bagarre. Hein? Et tu dis, la merde, elle est là. On va essayer de l'orienter de manière à ce soit une bonne merde, tu vois. Hein? Au lieu de se faire chier, on va aller les emmerder un peu. Hein? Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Les Anglais. Allez, les Anglais, qui c'est qui les aime? Ils sont jaloux partout où ils vont, ils y vont parce qu'ils sont jaloux. Ils y vont parce qu'ils sont poltrons. Ils ont peur de pourrir en Angleterre. Et là, quand ils arrivent quelque part, c'est la jalousie qui est là. Les Français, quand ils vont quelque part, putain, ils se sortent les doigts du cul. Hein. Ils savent qu'ils sont tellement bien en France. Ils savent que s'ils restent en France, c'est les autres qui vont venir les chercher. Alors, ils anticipent un peu, ils sortent un peu, ils dissipent. Il canalise, le français il canalise comme ça, il dissipe. Le français il va en Algérie, il a envie de revenir. Et quand De Gaulle il dit français, je vous ai compris, il dit ah, putain, on n'a pas envie, hein. Mais on va lui obéir, hein, si tu vois ce que je veux dire. L'Algérie, ne mets pas, hein, là où je ne mettrai pas le bout de ma canne. Les Algériens ils sont bien chez eux, et c'est des clochards du désert, disons-le. Le français. Moi, je l'ai dit dans mon article. L'esprit musulman, comme diraient les inconnus, le français, il a tout eu. Il a tout eu, la salade. Tout sauf le pétrole. C'est un mal pour un bien ou c'est un bien pour un bien. Bon, il a eu quand même, malgré tout, la politique, shell help, etc. Bon, les Arabes, ils n'ont rien eu. Ni rien, ni rien, ni rien. Le sable est là.
et la sueur et la misère. Même pas une tomate. C'est que la vie, c'est la tomate. Au bout d'un moment, t'es content de savoir que ton cousin Germain, il en a goûté une, il en a vu une passer. Et en carte postale, ça te fait chaud au cœur. L'arabe, il n'a pas la poste. Carte postale, le carton. À quoi, il n'a pas un arbre. Le chétif avec les piquants, il l'appelle l'huile d'argan. C'est pour la chèvre et le menthe. Il n'y a rien qui sort. C'est pas d'où qu'ils viennent. L'oasis. T'imagines bien que l'oasis, tout le monde veut s'égorger pour avoir l'oasis. Et quand tout le monde est mort, il en reste un. Dis merde, qui c'est qui va faire le boulot? C'est sa femme qui se... Bref. Donc l'arabe, il a rien eu. Il a rien eu, l'arabe. Oh la salope. Eh oui, le français, il est envié de tous. L'italien, il est pas trop mal. Mais il est sur sa botte avec la montagne au milieu, tu vois. Il est séparé en cul. Il n'est pas très content. L'espagnol, c'est une terre aride. C'est pas d'où elles sortent, leurs villes, franchement. Eh, elles sont jolies. Séville, Grenade, t'as tout vu. Tu vas à Valence, tu vas à Murcia. Murcia, c'est sympa. Tu vas à Valence. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Madrid. Ils ont mis des sous pour qu'on en parle. Hein. Tu vois, ils ont appelé Zidane. Hein. Ils ont appelé Ronaldo, le Portugais. Très gai, d'ailleurs. Il est payé cher, hein. Espagnol. Encule ta femme. Baisse les yeux. Encore. Oh, arrête. Ah, l'Espagnol, on a compris, hein. Et qui tu veux d'autre? C'est des secondes classes. Et je dis ça, c'est les Américains. Pays de chiens. Les Indiens. Les Juifs. Elvis Presley, les Américains. Qui c'est les Américains? Eux, ils savent pas qui ils sont. Ils ont oublié qu'ils avaient des origines européennes. L'Europe est la conchie. C'est une vieille patrie. Tout est obsolète en Europe, tu comprends? Les ordinateurs, c'est Apple qui les fournit. Et qui bamboule aussi, à te faire enculer. C'est les Chinois qui les fabriquent. Chinois, qui c'est qui les a dressés? Hein? Chiang Kai-shek. Qui c'est qui suce? Qui c'est le dégel? Aidez les Chinois! Car quand ils seront tellement forts qu'ils se moqueront de vous, vous en mordrez les doigts! Aidez les Chinois! Qui c'est qui achète la dette américaine? J'ai rien compris au mécanisme, c'était très mal expliqué. Mais c'est le Chinois. Le Chinois, il n'en a pas besoin, il pourrait niquer les USA. Juste parce qu'il paye plus sa dette. Il les nique, ou il les fait se révéler. Là, c'est l'arnaque qui est niquée. Le Chinois, il joue le jeu. Bref, et le Chinois? C'est un bandeau maritime et un enfer d'archaïsme. Ils sont tellement pauvres. Et ça sert à rien de les emmerder. On va se faire plus chier qu'autre chose. Ils ont trouvé la façon d'être pauvres, de survivre. Et ils emmerdent personne. On les laisse tranquilles pour l'instant. On verra plus tard dans le futur. Viens par là, toi, coquin. Ah! J'aime la vie. Ah. Voilà, donc l'idée, c'est. Tu vois que c'est la merde. Et je t'ai pas parlé des Africains. Danny Farba qui m'a fait boire un truc. Je veux te dire, j'en fais encore des mimiques. Tu vois? Et quand tu passes au Congo-Brazzaville, quand tu passes à Dengue, à virus Zika, au Sida, tout ce que les Américains leur envoient. Et là, quand tu penses au vaccin artificiel de Bill Gates, Bill Ogato, Fondation Bill et Melinda Gates, hein, ce qu'ils remettent au cul dans le sang, l'Africain. Peut-être que c'est justifié. Ils sont tellement dans la misère. Peut-être que Dieu, là tu dis peut-être que Dieu, ça doit être Dieu, ça c'est trop cruel. Il avait anticipé qu'il ferait chier le monde. Il a dit, vous. Vous n'aurez même pas le temps de vous sentir comme des Américains, ça va vous tomber sur le coin de la figure. Parle-moi d'une belle ville en Afrique. Vas-y, je t'écoute. Le Sénégal. On a envie d'y croire, mais on n'y croit pas vraiment. La savane. Il y a tellement de moustiques. Tu passes en voiture. Quand tu vas dans la savane et qu'il n'y a pas de moustiques, c'est qu'il y a un problème, tu vois. C'est un peu leur système immunitaire de défense. Bref.
Ça, c'est l'effet médecin. Ah, les médecins français. Quand t'as besoin de rien, tu penses à eux. Mais quand t'as besoin de quelque chose, tu penses à toi, surtout. Voilà. Non, si tu lâches des chiens, tu la balances. T'as fait payer, connard. Tu viens de te faire payer par la sécu, enculé. C'est pas que. Ta fille, comment elle va depuis le temps? Elle a vu les gynécos? Eh, elle pas. Bon. What can I say? So, is there a get fucked all the time for nothing at all? Is there your fuck up? Is there fuck off? You see, I'm the one that want to take my destiny in hands. That's what it that way. And you say, yeah, this time I will do it. Maybe we will suffer. But this will be a suffering with meaning. There will not be a meaningless suffering. And actually, suffering is with meaning in France. And next, the stories by the fireplace when you're getting old in Canada or in Quebec. Assez de noces, non?